Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archange Lyon. Nouvelle session, donc la quête du jour c'était jouer en noir ou en bleu, évidemment j'ai joué en noir. Et plutôt bien réussi, hein. J'ai eu qu'une défaite pour deux victoires et ça s'est fait en trois matchs, c'était bon, la quête elle était bouclée. Derrière j'ai joué en blanc et après en Orzhov pour faire mes 15 victoires. Sachant que mes decks sont bons et ce qui va pas c'est les sorties de cartes, c'est une horreur. Il y a toujours des sorties de cartes pour dire de m'empêcher de jouer mon deck comme il faut quoi. Donc voilà, quand on paye pas, ça se passe comme ça. Ensuite, c'est l'anniversaire de Magic the Gathering. Ouais, bah écoutez, si vous êtes content, c'est bien. Ouais, bah le plaisir il est pas réciproque. Allez, on regarde. Ok, donc 5000 XP, ce qui est bien, ça va nous faire monter au niveau, on va récupérer des boosters là, nouvelle, ok, celle-là je l'avais déjà, ah non mais ça c'est un style de carte, ok, bah c'est celui-là classique ce style-là, qu'est-ce qu'ils font, nouvelle c'est quoi, ah c'est un fond de carte, ok. Ok, Kenris. On aurait pu tomber plus mal. Mais bon, j'en avais déjà. Ok, bah écoutez, moi qui joue en blanc. Là, c'est la fête. Voilà, bon, bah en côté, on aura récupéré au moins ça. On est à 680 en gemmes. On est à 4100 au niveau des couronnes. On a trop deux rares mythiques et le coffre est ouvert à 666, non, enfin 66 pour 100,6, la bête. Ensuite, 4 jetons draft et 4 jetons lancez-vous. Au niveau de la maîtrise, on est où là? On est à 53. Donc 54, 56, 58 et jusque 60. C'est quoi ce truc? D'accord, j'en ai récupéré. Comment ça se fait que j'en ai récupéré 3? C'est un booster. Ouais, je comprends plus rien ce jeu. Ah oui, si! Vous voyez, regardez. Et comme on a gagné 5000, on a eu celui-ci, celui-là et celui-là. On n'en a plus que deux. Et on repart sur Donjons et Dragons. Oh cool. Très cool. Dimanche. Bah d'ici dimanche de toute façon. Là on est quoi? On est jeudi. Donc vendredi, samedi. Dimanche. Ouais bah dimanche de toute façon on les aura fait. Hein, c'est sûr. D'ailleurs d'ici là peut-être qu'on l'aura fait. Faut voir où on est dans la progression. On est où là dans la progression? Ouais, on voit pas. On est au tout début du 58. Bon, encore deux. Encore deux et on est débarrassé de ce truc. Cool. Donc, on est parti ici. Bah, de ce fait, je vais pouvoir vous faire plusieurs émissions. À la file.
Alors, ouais, de sûr, on va se retrouver aussi dans les 90 faciles. Hop, donc ici, il n'y a rien. Hop, on vient là. On en prend d'abord 3. 3 de plus, ça fait une deuxième émission. Et il nous en reste un de plus. Et voilà. Reste 5 pour avoir le booster doré, mais je pense pas qu'on ira jusque-là. Ok. De ce fait, on n'a plus qu'à aller voir les boosters. Ça nous en fait 8, hein. Donc demain, je pourrais refaire une émission. Là, je peux en faire 2. Et on va récupérer un Joker rare sur ces missions. Hop, donc c'est parti. Bon, sans étonnement, plus trop de nouvelles. On a des doublons. Ouais, on a du doublon. Donc en gros, on a dû monter. On n'est plus à 666, on est à 66,8. Donc 1-0-1 pour là et 1-0-1 pour ici. On commence donc avec recruteur d'Imo Dan, carte rouge qu'on connaît. On a un Joker courant, donc ça nous en fait un de rare mythique. Le coffre est à 66,8. On a un nouveau exemplaire de souris de l'armurerie qui nous sert à rien puisque ça fait monter le coffre, c'est tout. C'est pour dire de ne pas nous donner de cartes nouvelles, hein, évidemment, ils nous freinent. Secousse d'impact, pareil, ça nous sert à rien puisque c'est une carte rouge qu'on connaît déjà bien et ça fait monter le coffre, c'est tout. Mais c'est pareil, c'est fait pour nous freiner puisque ben, je pense qu'ils s'aperçoivent que on commence à récupérer pas mal de cartes. Hein. Destructeur de pique-nique, donc carte rouge qu'on connaît aussi. À mon avis, là, c'est le dernier exemplaire dont on avait besoin. Généalogiste de Croc, de Croc-Rouge, ouais, c'est ça. Pareil, on doit être à 4 exemplaires faciles et guide épouvantail, ça doit être pareil aussi. On doit être au quatrième exemplaire de cette incolore. Donc voilà, prochain booster, on passe là. On va aller voir la carte qui est cachée. Carte de terrain tour tourmenté, carte qu'on connaît bien. En plus, c'est la carte d'attente de combat. Souvent, vous avez des petites scènes avec une phrase qui peut être soit une citation, soit une explication entre les combats. Juste avant le combat, en fait, pour attendre la sélection de votre adversaire. Et je pense que ça, c'est une des scènes qu'on voit. Sauf que la tour, ah, c'est même une scène, c'est une image avant, parce que la tour, normalement, elle est cassée. Il y a un des dragons qui casse une partie de la tour, si je me rappelle bien. Donc, c'est pas vraiment cette image-là, c'est encore autre chose. Mais c'est ce style-là, en fait. C'est exactement cette image-là, mais dans une autre position. Ok, bah écoutez, on est bon pour ce premier booster. On part sur le deuxième. Ouf. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient de choper un courant, un rare et deux rares mythiques, et on est à 67,5. On a une mythique ici. Alors, on n'est pas à 3, donc c'est pas un joker, donc c'est bien une carte mythique. À voir si c'est une nouvelle ou si c'est une ancienne. On commence avec saison de croissance, carte verte qu'on connaît. Alors, on a dû avoir beaucoup de doublons. Puisque on est quand même monté à 67,5 d'un coup là. Donc ça, à mon avis, c'est un doublon. Nourrir le chaudron, je pense qu'on est au taquet là. On doit être au 4 exemplaires. Pareil pour. Nourrir le chaudron, c'est une carte noire hein, qu'on connaît. On passe sur pareil, une carte qu'on connaît, mais cette fois-ci en vert, c'est le pisteur de sorcières territoriales. Donc là, ça doit être du doublon. Pareil pour le champion d'Agatha, ça doit être un doublon en vert, donc une carte qu'on connaît bien. Pareil pour le courtisan maudit, carte blanche qui doit être un doublon aussi.
Alchimiste aquatique, là par contre on doit être arrivé au quatrième exemplaire je pense. Et pareil, donc c'est une carte bleue. Hein. Et pareil, c'est aussi une carte bleue qu'on connaît, Eldo. Donc une carte bleue qu'on a déjà en quatre exemplaires je pense. Donc voilà, on a de moins en moins de nouvelles cartes. Ils nous refilent de plus en plus de doublons pour pas nous refiler de nouvelles cartes. Et donc, carte mythique, Rohan, Sion de la guerre. Donc, on doit être au troisième ou quatrième exemplaire de cette carte Rakdos. Donc, Rakdos, je vous rappelle, hein, c'est la magie noire et rouge. Donc, voilà. Bon, écoutez, c'est une belle carte. Même si je commence un peu à m'énerver là. Parce que ça fait quand même beaucoup de doublons. Faut quand même pas déconner. Mais bon, c'est rien. C'est rien. Je vais prendre le temps qu'il faudra, mais je les aurai. Hop, dernière carte, dernier booster. Et hop, c'est parti. Donc déjà ça c'est du doublon. On est en Dimir, donc Dimir c'est la magie bleue et noire. Aubira, duelliste rêvante. Donc carte qu'on connaît bien. On doit être au quatrième ou cinquième exemplaire là. D'ailleurs on est à combien là? On est à 68,5, vous imaginez? On est en train de monter de façon exponentielle maintenant. On continue avec une carte blanche qu'on a aussi. C'est le retour triomphal. De toute façon, ce sera que des cartes qu'on a. Hein. On continue aussi avec passer devant. Cette fois-ci, c'est une carte rouge. Vertu intangible, carte blanche, hein, qui voilà. Ok. Sinon, on a plaisantin crocheteur de serrure. Cette fois-ci, on est sur une carte bleue. Carte noire, assassin ou lame d'art. Et chevalier amoureux. Donc, carte blanche aussi qu'on connaît très bien. On l'a eu très tôt dans le jeu. Dans la saison surtout. Donc, voilà. La Picorne royale, carte blanche hein, qu'on connaît très bien. Donc ok. Bah écoutez, beaucoup de doublons. Hein. Prochaine fois, normalement, on devrait avoir un Joker inhabituel dans la prochaine émission. Donc si on fait le tour, on est à un courant, un rare, deux rares mythiques et le coffre 68,5%. Ok. Bon, on garde ça pour la prochaine session. On aura trois boosters et on gardera les deux derniers pour demain quand j'aurai à nouveau 1000 pièces d'or. Je pourrais me racheter un booster et faire les trois ensemble. On va aller voir le profil. Donc au niveau du profil, j'ai pas avancé, hein. Je suis un peu dégoûté là de ce qui s'est passé. Je suis bien 58%, enfin 58 niveaux donc sur 60. Ici, on va aller voir tout de suite. Donc on est à 84%. Bah évidemment, hein, vu qu'il nous donne des doublons pour pas nous faire monter. Donc on est à 14 au niveau mythique. On en a quand même pris une. On reste quand même à pratiquement les trois quarts. Ici. Pareil, on est aux trois quarts facile. On a même dépassé les trois quarts, je pense. Là, ici, on est au 4 cinquième. Ouais, 4 cinquième. Et là, au 9. Oh là, il nous en reste que deux, quoi. Mais il nous les donne pas, vous voyez. Pour pas automatiquement aller plus loin. Ok, bah écoutez. Au moins, on voit que la logique, elle est sauvegardée. Hein. Ok, bah écoutez, plutôt une bonne nouvelle, 84% quand même. Hein. On va se laisser là, on retourne sur l'accueil. Il est temps pour moi de vous dire, de vous souhaiter une bonne journée du moins. Veillez sur vous, veillez sur vos proches, profitez bien de leur présence et profitez bien de cette vie. Allez, bye bye tout le monde, salut!